Chers amis téléspectateurs de TVL, bonjour. Bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Cet été fut particulièrement chaud sur la planète, personne ne peut le nier, et la presse alarmiste s'en est donnée à cœur joie. La plus grande sécheresse que le pays ait connue, des incendies sans précédent, des records de température jamais atteints, la fonte des glaciers à un niveau inédit, a-t-on pu lire ici ou là à la une de nos journaux, tandis que Marion Cotillard et Guillaume Canet appellent à sauver la planète. Mais justement, cette planète a-t-elle vraiment besoin de nous ? Nous, pauvres petits homo sapiens qui l'occupons depuis 250 000 ans à peu près, une virgule, que dis-je, une poussière à l'échelle de l'histoire terrestre. Depuis le paléolithique jusqu'à nos jours, l'homme s'est trouvé face à des changements climatiques majeurs. Méga sécheresse, glaciation, inondation, tempête. Et si ces événements ont pu faire chuter des civilisations, d'autres les ont remplacées. Si les périodes dites optimum ont favorisé notre développement, les âges glaciaires, s'ils ont provoqué guerres et famines, ont souvent permis des avancées technologiques, et ceci dès la préhistoire. Revenons à nos manchettes anxiogènes de journaux. Ce qui frappe, c'est l'absence totale de références historiques, de simples points de repère, plus chaud, plus froid, plus humide, par rapport à quand, à où ou à quoi. En matière de climat, les journalistes ont la mémoire courte. Or, il existe réellement une histoire du climat, et cette histoire permet de relativiser, sur les causes comme sur les effets, à l'échelle de Sapiens, le changement climatique que nous vivons. C'est cette histoire qui s'étend sur des millions d'années que nous allons survoler avec notre invité Alban Darguin. Bonjour. Alban Darguin, bonjour. Et après Éolienne, un scandale d'État, paru aux éditions Synthèse Nationale en 2017, Oui. Vous vous êtes lancé dans une nouvelle enquête, une enquête sur ce que vous appelez une manipulation mondiale, celle du réchauffement climatique. Elle a fait l'objet d'un livre paru chez Pardès en 2022. Dans cette étude, vous consacrez une part importante aux relations entre l'homme et le climat, ce qui va être l'objet de notre émission, qui est une émission historique, donc on ne va pas parler de manipulation médiatique. Vous en avez parlé, je crois, avec Martial Bild il y a presque un an, hein, sur ce même plateau. Donc la politique, celle de la médiation, vous l'avez déjà abordée. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous demander d'expliquer quelques termes, les termes que nous allons, que nous allons employer au cours de cet entretien. On voit en permanence, dans vos lignes, le terme de optimum. Oui. Ou un optimum des optima, et puis le terme d'âge, qui est en général associé, lui, au froid. Et au grand âge. Et au grand âge. Donc je vous laisse expliquer. Alors ça, ce sont des termes qui ont été systémisés, si j'ose dire, par les historiens, et notamment par un Français, un grand scientifique français, un grand savant français, que tout le monde connaît en matière de climat, qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors on parle des optima, c'est-à-dire au singulier un optimum. Un optimum, ce sont, pour que tout le monde le comprenne bien et facilement, ce sont les périodes de réchauffement. Oui. Et puis, à l'inverse, les âges dits glaciaires, c'est plus facile à deviner, ce sont les périodes de refroidissement. Et en fait, on s'aperçoit que dans l'histoire du monde, il y a eu des grands optima, immense de réchauffement, des grands âges glaciaires immenses, notamment dans la préhistoire. Alors quand vous dites grands, on va essayer, c'est très des milliers d'années, voire beaucoup plus dans la préhistoire, si j'ose dire. D'accord. Sachant que l'homme, c'est entre 250 et 300 000 ans. Oui. Enfin, d'accord. Voilà. Et l'homme de cette époque-là il a souffert des réchauffements largement supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui, et il a aussi souffert de périodes de glaciation épouvantables et sur des durées très longues. Mais il s'en est sorti, la preuve. Oui, nous sommes là pour en parler. Mais ces durées très longues, est-ce qu'elles ont tendance à se raccourcir depuis la préhistoire ? C'est-à-dire qu'elles étaient très très longues à la préhistoire ? Elles étaient très longues dans toute la période de préhistoire, sans rentrer dans le détail, jusque à une période qu'on appelle le tardi glaciaire, le lapsus est révélateur, le tardi glaciaire, c'est-à-dire la période de fin de glaciation beaucoup plus forte qu'aujourd'hui et qui s'approche de notre époque et de notre histoire moderne. Alors,
Au début d'Homo sapiens, donc il y a 300 000 ans, quelle est l'influence du climat sur, j'allais dire, les premiers, la vie des premiers, de ces premiers hommes qui sont répartis plus ou moins dans le monde, enfin, on estime peut-être en Afrique ou ailleurs, on trouve, même si on trouve des foyers aujourd'hui à droite ou à gauche. On en trouve beaucoup en France, d'ailleurs dans le sud-ouest de la France, où il y a des foyers considérables. Est-ce que ça a provoqué les premières grandes migrations? Oui, ça a provoqué des très grandes migrations. J'allais dire, même sur le plan animal, on a tous en tête la question des mammouths. Il y avait des mammouths en France, il y en avait en Suisse, il y en avait partout. Et en fait, Qui dit mammouth dit froid. Qui dit mammouth dit froid, oui. Là aussi, je vais faire quelque chose d'un peu approximatif, mais considérer que pour ceux qui ne connaissent pas le mammouth, parce qu'ils n'en ont jamais vu, le mammouth, c'est une sorte d'éléphant avec des grandes défenses, mais avec une énorme fourrure. Voilà. Et en fait, dans les périodes de grands optima, peu à peu, ils ont été chassés vers le nord, et puis ils n'y ont plus trouvé leur compte, jusqu'à la Sibérie, et les derniers sont morts en Sibérie, on a encore des traces de squelettes, mais ça remonte à très, très longtemps. Et donc concernant Sapiens, est-ce qu'on peut estimer que le peuplement de certaines parties du monde, du nord de l'équateur, est dû à ces réchauffements climatiques? Oui, très probablement, et enfin même on l'assure. C'est-à-dire par là qu'on voit que la démographie, j'ai plus en tête les chiffres, mais le nombre d'humains sur la Terre il y a 15 ou 20 000 ans, il était très faible. Et au final, avec le réchauffement, on commence à avoir même une fracture qui va se faire entre ce qu'était l'Homo sapiens du début, c'est-à-dire un chasseur qui poursuivait les rennes, parce qu'à l'époque il y en avait partout aussi, qui essayait de se nourrir, qui ont des outils déjà, les fameux lanceurs pour leur lance pour tuer et leur procurer la viande dont ils avaient besoin, parce que c'était essentiellement des carnivores à l'époque, pratiquement un petit peu de fruits, etc. Et puis on va passer après dans une rupture qui nous rapproche vraiment de nous, c'est le moment où ils se mettent à devenir de chasseurs cultivateurs. On arrive au néolithique. Exactement, on arrive au néolithique. Et à ce moment-là, on commence à avoir d'abord une démographie qui est très corrélée au réchauffement climatique, et puis la culture, les défrichements, etc., qui vont se poursuivre après pendant toute l'époque moderne. Est-ce qu'on a une idée moderne, des températures de l'époque du néolithique? Est-ce que c'est grosso modo les mêmes que nous connaissons aujourd'hui? Alors, il y a eu des températures beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. Quasiment d'amplitude de 10 degrés moyens de plus que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc il y a eu des périodes très très chaudes et qui se sont révélées aussi très prospères et qui ont aidé justement à toutes ces transitions vers la culture, vers… Oui, parce que chaleur ne veut pas forcément dire sécheresse. Chaleur ne veut pas dire sécheresse. Et là, j'allais dire, il faut essayer de décorréler l'instant et reprendre une vision du temps. Parce que quand on nous parle de sécheresse apocalyptique, qu'on nous dit certains jours, ou même dans des bulletins météo, on n'a jamais vu ça, la planète n'a jamais connu ça, etc. Mais il faut que nos présentateurs reviennent à leurs études et regardent un petit peu, même en météorologie, pour ce qu'on connaît et les bases du climat. On sait très bien qu'il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes que celles qu'on vit actuellement. Alors, donc cet optimum, donc un optimum au néolithique, et ensuite un autre optimum qui est l'optimum de l'âge de bronze. Oui. Donc là, on peut le situer quelle année? On rentre quasiment dans… On rentre dans l'histoire. Dans l'histoire, exactement. En fait, on peut le situer entre le petit optimum de l'âge de bronze, c'est entre 1500 à 1000 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, ce sont les bandes que les historiens donnent. Les effets ont été très difficiles à analyser parce qu'on avait quand même une faible population de cultivateurs, je parle d'un point de vue humain. Mais on voit bien que ça a entraîné quand même… Alors pourquoi est-ce qu'ils sont difficiles à analyser? Pour une raison simple, c'est qu'on a des populations qui sont très dispersées encore. Et donc, on n'a pas, les historiens n'ont pas de traces absolues
des effets bénéfiques de ce petit optimum de l'âge du bronze. Alors, on est quand même dans l'époque des premières grandes cités-états, des premières grandes civilisations. Ah non, enfin oui, les premières civilisations, pardon, oui, oui, tout à fait. Oui, mais au final… C'est quoi, c'est Jéricho, c'est la Mésopotamie. Oui, voilà, ouais. Donc tout là, à fait, c'est tout le bassin, le bassin méditerranéen, et la, qui est un peu le bassin de notre culture. Mm-hmm. Donc là, on a, là, est-ce qu'on peut relier, justement, ce petit optimum à la naissance de ces grandes civilisations florissantes? Je n'ai pas vu d'historien qui le disait, qui concluait de cette façon-là, parce que la plupart des textes qui ont été écrits, mais c'est peut-être un très bon sujet de thèse pour quelqu'un qui voudrait se pencher là-dessus, mais ce qu'on dit de façon plus systémique, et on le verra avec les autres optima, c'est que chaque fois qu'il y a eu réchauffement à partir d'un moment où on commence à en voir les traces et pouvoir les analyser, on constate des effets de prospérité. C'est ce qu'on verra après avec le petit optimum romain, etc. etc. Et là, on corrèle bien les phases d'expansion de la civilisation avec le réchauffement climatique. Alors justement, on arrive au petit optimum romain, qui lui s'étend de quelle période à quelle… Alors lui, il va de… Oui. Alors attendez, entre les deux, il y a un petit âge glaciaire quand même. Oui, C'est toujours une alternance des périodes. Exactement. Les fluctuations, c'est vraiment entre des périodes de chaud, des périodes de froid. Et pour… Là, c'est vraiment très synthétique, mais pour la préhistoire, on va avoir des très grandes périodes de froid, des très grandes périodes de chaud. Et dans l'époque moderne et dans nos époques, on a plutôt des petites périodes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Parce que tout ça, sans faire une digression trop… Encore une fois, petite période, ça peut être, ça peut être 500 ans. Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui, tout à fait. 500, c'est d'ailleurs un peu la moyenne. Mais ce n'est pas une certitude. Puisque tout ça procède, je le dis juste pour les personnes qui ne sont pas familières avec ces sujets-là, ça procède aussi de quoi ? Pourquoi le climat bouge ? Le climat bouge en fonction d'une mécanique que les scientifiques connaissent bien, mais que les historiens aussi connaissent bien, qui est simplement la Terre qui tourne sur elle-même, un peu comme une toupie et penchée, et qui tournerait comme ça, comme on la ferait jouer sur une table, et qui tourne autour du Soleil dans une ellipse, un orbe on dirait, où elle se rapproche énormément du Soleil à certains moments, et elle s'en éloigne beaucoup. Tout ça pour dire que dans une journée, la Terre a tourné sur elle-même complètement et que sur une année en gros, il y a des hivers et des étés selon qu'on est plus près ou pas. Sauf que, contrairement à ce qu'on pense, la Terre n'a absolument pas un parcours linéaire. Elle bouge, elle bouge beaucoup. Et donc il y a des variations en plus dont on ne connaît pas trop la raison, la cause pour le moment. Voilà. Mais ça, c'était juste pour replacer en perspective, pour expliquer pourquoi il y a des cycles comme ça. Pourquoi il y a des fluctuations et pourquoi il y a des cycles. Donc on arrive au petit âge romain. On arrive au petit optimum romain, et on est entre 200, moins 200 et 200 après Jésus-Christ, en gros. Hein. C'est très court. 400 ans, à peu 400 près. Ans. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Voilà. Et donc dans cette période-là, c'est comme disent les historiens, c'est le plus beau siècle de la République et de l'Empire romain. On les voit bien, même Jules César, qui conquit la Gaule en son temps, c'est quoi? C'est moins 40 et quelques avant Jésus-Christ. Donc dans toute cette période-là, il y a une prospérité très forte. On voit des choses dans ce petit optimum qui touchent aussi la culture. La prospérité, c'est quand il n'y a pas de disette, c'est quand il n'y a pas de famine, etc. etc. Voilà. Alors justement, les cultures, alors quand on pense à l'Italie, quand on pense à la Méditerranée, on pense aux oliviers par exemple. On pense aux oliviers. On avait des oliviers jusqu'où? Alors à cette époque-là, c'est encore limité jusqu'au haut de l'Italie et au bas de la France, de la Gaule de l'époque. Cette très belle colonie, comme disait César, il avait eu l'intuition, je crois que c'est Marie-Madeleine Martin, dans un livre d'histoire, l'histoire de l'unité française, historienne, qui prenait cette phrase de César, ou qui avait trouvé cette phrase de César, qui disait qui intuitait que vraiment la Gaule serait une colonie formidable par toutes les ressources qu'elle pouvait avoir et son climat, justement. Et son climat. À l'époque. Et donc, on a des oliviers On a des oliviers sur le sud, le pourtour méditerranéen, sur le sud de la France aussi, de la Gaule de l'époque. Et ces oliviers, on va les voir monter beaucoup plus loin après,
dans un autre optimum, c'est le petit optimum médiéval. Mais entre-temps, après le petit optimum romain, eh bien, il y a encore une période de glaciation. D'accord, qui correspond à la chute de l'Empire romain ou pas? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de relier la courbe des températures finalement à la courbe des. Bon, là, le petit âge glaciaire, il va jusqu'à 600 à peu près après Jésus-Christ, de 270-300, disent les historiens. Mm-hmm. Alors, il faut savoir que quand des historiens affichent des chiffres comme ça, c'est qu'ils ont des marqueurs, juste pour que tout le monde comprenne bien. Et les marqueurs, en l'occurrence, un des grands marqueurs utilisés, il y en a beaucoup plus maintenant, mais un des grands marqueurs utilisés, c'était la fonte des glaciers et la rétractation ou l'avancée des glaciers. Mmh. En période chaude, les glaciers remontent vers le sommet. En période froide, ils s'étendent et ils descendent dans les vallées. On reviendra aux glaciers sur un autre optimum, ou un autre glacier. Et donc on arrive, refroidissement, et de nouveau… Le petit âge glaciaire de cette époque-là, dont on parle là, c'est celui dans lequel on a connu toutes les invasions germaniques, venues de l'Est, etc. etc. Donc c'est bien qu'il y avait aussi des mouvements de population qui cherchaient un peu de prospérité, parce qu'ils avaient… Ils avaient froid aussi. Et alors, de nouveau, un optimum, qui lui sera le petit optimum médiéval. Oui. Donc il s'étend de 900 à 1300 à peu près, on va dire. Mmh. Donc là, c'est l'âge d'or. L'âge d'or du Moyen-Âge, oui, on peut dire. Absolument, oui, oui. Ouais. Et alors les... Là, c'est... Alors les historiens l'appliquent... L'applique aussi au gothique, à tous les formes d'architecture, du monde connu, même en Asie. En revanche, en Europe, ça se concrétise par quoi? Par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ça se concrétise par une période, j'allais dire frénétique, c'est pas le bon mot, mais une période intense de défrichement, de bataille contre la forêt. La culture, les cultures, les champs cultivés augmentent de façon considérable. Si on prend la France, la Gaule, on le voit bien. Et là, on a des véritables colonies agraires qui se créent. Alors, les moines sont souvent aussi à l'origine de ça au moment de cette période-là. Mais après. Mais si on défriche, c'est que ça pousse. C'est que ça pousse, exactement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il fait plus chaud, la terre est plus facilement cultivable. Il y a malgré tout de l'eau, parce qu'il ne faut pas non plus que les gens pensent que, toujours dans cette mémoire de l'instant actuel, que ça se fait en 5 minutes. Non, bien sûr. Quand on parle d'optimum médiéval, on parle de quelques degrés en moyenne d'augmentation, et donc les hivers sont plus doux, les printemps sont frais, mais ils sont tout à fait propices à la culture, ce qui permet de semer à temps. Un des gros inconvénients des périodes de glaciation, c'est que les gens mouraient de faim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beau semer, même à l'époque des cultures, ils avaient beau semer du blé, ils ne poussaient pas, ou ils gelaient au printemps, etc. etc. Voilà. Et alors que là, du coup, c'est la prospérité. Est-ce que l'on sait, dans les périodes de transition, dans les fluctuations, est-ce que c'est toujours un peu chaotique à un moment? Oui. Il n'y a rien de linéaire. Rien n'est linéaire. Donc on a des moments où on peut avoir aussi du froid et des hivers très froids. On le voit d'ailleurs même dans les époques modernes. Si on considérait que nous sommes dans un optimum, un petit optimum de réchauffement, pour le moment petit, on ne sait pas après tout, mais en supposant que ça suive les cycles actuellement, on voit bien qu'il y a aussi des hivers glaciaux, et qu'il y a des étés certes très chauds, mais il y a aussi des étés pluvieux et froids. Frais, comme dirait Emmanuel Leroy Ladurie. Donc finalement, le visage de l'Europe, à l'époque de ce petit optimum médiéval, est un petit peu différent d'ailleurs de ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple du Groenland. Oui. Groenland qui veut dire la terre verte. La terre verte, oui. Aujourd'hui, c'est plutôt la terre blanche. Le Groenland, aujourd'hui, c'est la terre blanche. Il faut quand même savoir. Ça commence un peu d'ailleurs à fond. Oui, ça fond. Mm-hmm. Sur le Groenland, il y a quand même une anecdote amusante, politique, celle-là, et contemporaine. C'est que, quand il était au pouvoir, Donald Trump avait fait une proposition au Danemark de lui racheter le Groenland. Oui. Ce qui n'était pas innocent. Alors comment était le Groenland justement à l'époque? Alors à l'époque des Vikings, les Vikings sillonnaient un peu toutes les régions. Ils sont même descendus en France jusqu'à Noirmoutier où ils avaient une base d'invasion, etc. Et tout l'ouest, la Normandie. Mais donc les Vikings
s'installent sur le Groenland. Et c'est pas une petite installation temporaire. Au départ, ils chassaient le morse, ils pêchaient les morses et ils les chassaient pour l'ivoire et pour aussi le, la viande. Et ensuite, comme c'était aussi des grands agriculteurs, des éleveurs, etc., ils ont installé des grandes fermes, d'immenses fermes avec des laiteries, avec toute une organisation, et ils se sont implantés comme des colons sur la terre verte. Le Groenland, c'est la terre verte, en effet. Et là, on a vu, ben, autour de Nuuk, qui est là, d'ailleurs l'actuelle capitale, mais qui existait déjà comme un gros village à l'époque, ou une grosse, le centre de la colonie, eh bien, on a tout un peuplement de colons qui élèvent des vaches, qui font de l'élevage, de la viande, et qui font également du lait, beaucoup de lait. Surtout que les gens du Nord boivent beaucoup de lait. Et toutes les cultures traditionnelles qu'on pouvait trouver beaucoup plus bas avant. Voilà. Il y a aussi la culture, ce qui est un bon marqueur également, c'est la culture de la vigne. Absolument. On voit que, par exemple, en Grande-Bretagne, les îles britanniques, on y cultive… Le vin rouge, bien sûr. On cultive la vigne parce que les Anglais aiment bien le claret, comme ils le disent. C'est-à-dire le petit vin de Bordeaux. Le petit vin rouge de Bordeaux et de la région. Et donc, parce que c'était possible, ils ont commencé à expérimenter des vignes. Et à l'époque, ils faisaient leur vin. Et ça, plus personne n'en parle aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Sauf qu'aujourd'hui, ça revient. On recommence à faire du vin en Cornouailles. Oui. Alors justement, c'était. Ils font des vins effervescents, d'ailleurs, qui sont pas oui, mauvais. Ça, c'est peut-être à la mode. Et qui sont à la. Parce qu'on est à la même latitude que la Champagne. Bien sûr. Ouais. Alors les questions de latitude, c'est compliqué. Parce que quand vous prenez l'Allemagne, le milieu de l'Allemagne, qui est à peu près à la latitude du Canada, on n'en est pas encore à faire de la vigne au Canada. Non. Mais après, il y a les questions de courant. Voilà. Absolument. Donc on avait du vin anglais. Oui. La vigne progresse partout, y compris sur la Bourgogne, il y avait de la vigne, mais là ça remonte parce qu'elle datait des Romains, mais elle remonte encore, probablement du petit optimum d'ailleurs romain, mais elle remonte encore plus haut. Et puis on a la culture des oliviers. Qui suit la vallée du Rhône et qui remonte également au point qu'il y avait des oliviers et que, du coup, il en est resté quelques implantations qui ont souffert un peu après du petit âge glaciaire. Voilà. Et alors, vous citez des. On a quand même des périodes de grande chaleur parce qu'il y a des rivières et pas des moindres, hein, comme la Sarthe, par exemple, dont vous parlez. Ouais. La Sarthe est une rivière qui. Alors, ça, c'est une information qui est intéressante parce qu'elle est très tardive. La Sarthe est une rivière qui, normalement, ne tarit jamais. Et c'est sous Louis XIV. Louis XIV avait fait demander une enquête aux intendants de France, dans toute leur province, pour avoir un état complet du réseau de rivières et d'eau. Du réseau hydrographique. Hydrographique, du royaume. Et dans cette enquête, on a découvert, parce que du coup, les intendants ont fait chercher dans les archives des tas d'informations, ils ont fait le travail des historiens, d'une certaine façon, et on a découvert que la Sarthe, en fait, dont on disait qu'elle n'avait jamais tari, avait tari trois fois dans l'histoire. Et la dernière fois étant quand même un peu symbolique, puisque... Elle s'est asséchée une demi-heure. Oui, c'est ce que j'ai lu, c'est quand même très surprenant. C'est-à-dire pendant une demi-heure, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, exactement. À la source, ça ne sortait plus. Voilà. Mais on a d'autres anecdotes comme ça qui sont révélatrices de ces grandes chaleurs. Alors, sur celle-là, ça, c'est la chance d'avoir cette enquête sur le réseau hydrographique, c'est sûr. Mais sur les marqueurs, on a des marqueurs comme les glaciers, bien évidemment. Pendant le petit optimum médiéval, les glaciers se rétractent énormément. Ils remontent donc très haut, comme aujourd'hui, parce que les glaciers fondent, il n'y a pas de secret, et ça remonte. Et il y a un marqueur qui est intéressant par rapport à notre époque, je ne sais pas si je digresse par rapport à notre sujet, mais non, pas du tout. Comme ça. C'est un marqueur qui a été découvert par des historiens, c'est un canal d'irrigation du bétail dans les Alpes, sur le glacier d'Alèche, qui est en Suisse. Et en fait, sur ce glacier, les hommes de l'époque médiévale, avec la fonte des glaces, ont découvert une source qui était oblitérée sous le glacier et qui, du coup, s'est révélée. Et là, ils l'ont façonnée. Donc,
Ouais. Ah oui, il y avait une source au moment de l'optimum médiéval, donc le glacier a fondu. Le glacier a fondu, et mettant à jour cette source, oui. Et du coup, les gens de l'époque, les paysans de cette époque médiévale, eh bien, ils ont façonné la source, ils l'ont entourée, et ils ont fait des canaux maçonnés pour descendre, alimenter les abreuvoirs pendant les estives, puisque dès cette époque-là, il y avait aussi les estives, c'est-à-dire que l'été, on mettait le bétail, on sortait le bétail, c'est une vieille tradition, hein, et il allait dans les pacages où d'ailleurs l'herbe était de très grande qualité. Dans les Alpes, il y a une très bonne herbe qui pousse donc, à cause de la chaleur. Donc aujourd'hui, lorsqu'on crie, et de l'eau. Lorsqu'on crie à l'horreur aujourd'hui parce que les glaciers fondent, réalité, ces glaciers sont très récents, enfin, ou du moins. En fait, les glaciers se rétractent, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est évident. Mais non, les glaciers sont rétractés. Mais l'Obéridorine, lui, n'est pas encore. Voilà. Non, mais en plus. Mais aujourd'hui, dans notre époque, la source de l'Obéridorine est toujours prise dans les glaces. Ça veut dire que le glacier n'est pas encore remonté au niveau où il était au Moyen Âge pour que les paysans puissent le façonner, le maçonner et le faire descendre vers les abreuvoirs. Donc ça, c'est une information intéressante. Je crois que c'est Emmanuel Macron, avec un membre du GIEC, Jean Jouzel, qui sont allés, il y a un an et demi ou deux ans, voir, justement, constater la rétractation des glaciers, pour se rendre compte, et ils sont allés devant la mer de glace. Et c'est vrai que la mer de glace, elle se rétracte, elle remonte. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, ils ne sont pas allés voir le glacier d'Alèche. Ils sont restés en France. Mais s'ils étaient allés de l'autre côté, sur la Suisse, ils l'auraient vu. Mais ils auraient vu qu'il était toujours encore sous le prisme. Donc on a le marqueur des glaciers, on a d'autres sources, sources sur l'état du climat. Oui, il y a d'autres sources. Il y en a une qui est connue et qui est notamment utile pour les régions où on n'avait pas trop d'histoire et d'historique, c'est la dendroclimatologie, c'est-à-dire l'analyse du bois et l'analyse des troncs d'arbres notamment. Alors vous en avez partout, il faut aussi décorréler un certain nombre de choses parce que vous avez des troncs d'arbres qu'on a pu retrouver très anciens pris dans le pergélisol dans les zones arctiques, etc. Et ou bien des bois encore relativement frais mais qu'on coupe et dont on analyse la croissance. Oui. En fait, tout le monde sait, si n'importe quelle personne qui a assisté à un coupage de bois ou un tronc d'arbre, en se promenant en forêt, en regardant, on voit qu'il y a des ronds, des stries, ce qu'on appelle des stries. Mais ces stries parlent. D'abord, elles parlent parce qu'il y a une strie par an. Donc, on sait à peu près l'âge d'un arbre. Mais ensuite, quand on analyse les stries, elles-mêmes, leur épaisseur et leur couleur vont permettre de déterminer ce qui s'est passé cette année-là. Et donc, on voit notamment le stress hydrique, entre guillemets, c'est-à-dire quand un arbre a été soumis à un stress hydrique parce qu'il a fait très chaud, ben la strie est beaucoup moins épaisse et elle a une couleur moins nette que celle où l'arbre a bénéficié de pluie, de froid, voire parce qu'il faut aussi un peu de froid, contrairement à ce qu'on pense. On ne va pas dire froid, mais on va dire du frais. Oui, bien sûr. La fraîcheur, pour assurer la croissance. Oui, en termes de sources, il y a d'autres documents intéressants. Ce sont les documents qui ont trait aux vendanges. Oui, absolument. Ça a été une source très intéressante et très riche pour savoir. Alors, pour l'expliquer clairement, les vendanges étaient réglementées dans un certain nombre de villages par des bans. Les bans, c'est la communauté villageoise. B-A-N, oui, BAN. La communauté, c'est d'où, quand on parlait des banalités. Aujourd'hui, on dirait banalité, c'est autre chose, mais ça avait un sens tout à fait différent au Moyen-Âge. Et on parlait du four banal, on parlait de. Le pressoir était banal aussi, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une collectivité, les gens se réunissaient et il y avait en quelque sorte un maître ou un. C'est pas, on dirait un régisseur aujourd'hui, qui était chargé pour tout le banc, avec quelques sapiteurs, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire quelques experts en matière de mûrissement de la vigne, du raisin, etc., ils décidaient, dans une assemblée, le jour où auraient lieu les vendanges.
Et ça, c'était acté. Et là, toute la collectivité changeait d'activité pour faire les vendanges. Voilà. Et ça nous a donné, comme il y a des archives très importantes, ça a donné aux historiens des éléments très importants pour voir les fluctuations dans les dates des vendanges. Mmh. À certains moments, on voit des vendanges qui commencent en août. Et après, dans les périodes plus froides, elles vont jusqu'à fin septembre, voire octobre. Donc on voit bien, à travers ces bancs dont vous parliez, on voit vraiment bien là aussi une source qui nous montre les périodes de réchauffement, les petits optimums, comme le petit optimum médiéval, et les périodes de refroidissement en fonction des dates des vendanges. Voilà. Et donc toutes ces sources nous permettent maintenant d'arriver au petit âge glaciaire. Oui. Donc le petit âge glaciaire qui commence au XIVe siècle. XIVe siècle à peu près, oui. Le petit âge glaciaire, et là on va y rentrer pour une longue période aussi. Enfin, pour nous on dirait longue période, pour les préhistoriens. Oui, donc à l'échelle de l'histoire de l'Europe, oui, c'est long. Oui, tout à fait. Et alors là, le petit âge glaciaire, c'est un changement. Alors, surtout que personne ne pense qu'il y a des ruptures qui sont instantanées. Bien sûr, il y a des marqueurs, et les marqueurs, ben, ce sont les éléments comme les glaciers, comme les bancs, tout un tas d'indicateurs que les historiens ont trouvés, mais sur la réalité, les gens n'ont pas senti instantanément, fait démarrer le petit âge glaciaire, qu'on rentrait dans un petit âge glaciaire. Et après, peu à peu, les témoignages affluent, et on peut arriver à trouver les sources qui démontrent que le temps a totalement changé. Qu'est-ce qu'on a comme témoignage? Bah, les témoignages, on a d'abord les faits. Les faits, c'est des hivers plus froids et surtout aussi des printemps très frais, comme disent certains historiens. Je le dis avec un petit sourire parce que c'est une expression qu'utilisait beaucoup Emmanuel Leroy-Lajurie en disant oui, vraiment, là, le temps est frais. Il est très frais. Frais, dit par lui, ça voulait dire que c'était quasiment froid. Voilà. Donc, on a une fraîcheur qui s'installe. Du coup, avec des effets aussi sur les cultures, donc mauvaise récolte, etc., etc. Et puis on a des témoignages, on en a des amusants, par exemple, Madame de Sévigné, dans ses lettres, les fameuses lettres de Madame de Sévigné, elle écrit à sa fille, Madame de Grignan, donc Grignan, parce qu'elle avait épousé un seigneur de Grignan qui vivait dans la vallée du Rhône, Grignan, c'est une région pas très loin d'Avignon, etc., sur la vallée du Rhône, et bien elle lui dit, mais comment faites-vous pour survivre ici? Nous avons un froid. Elle écrit le 25 juin. Nous avons un froid épouvantable. On est couvert. On a refait du feu dans les cheminées. Et vous me dites que votre vent épouvantable de Provence, lui aussi, fait que vous faites du feu et qu'il fait horriblement froid, etc., etc. Un 25 juin. Ouais, 25 juin. Et donc ce petit âge glaciaire, lui, dure jusqu'en moitié du 19e siècle. Il va se terminer à la moitié du 19e siècle. J'imagine avec des phases plus ou moins. Bien sûr, c'est toujours là en l'occurrence, ça serait plutôt en descendant, mais c'est toujours des températures qui malgré tout montent et descendent. Sans les historiens et sans une bonne compréhension avec des marqueurs comme les glaciers, comme la dendroclimatologie dont on a parlé pour les arbres et tout un tas d'autres indicateurs, on ne comprendrait pas le tendanciel de tout ça. Alors que je pense que les contemporains, ils avaient froid mais ils comprenaient pas. Ouais. Alors, on pourrait faire une parenthèse avant de rentrer dans l'âge glaciaire. C'est sur, dans la fin de l'âge glaciaire, du petit âge glaciaire, c'est sur l'action du soleil, parce que on a découvert, grâce à l'astronomie et au progrès de l'astronomie, des lunettes beaucoup plus fortes sous Louis XIV et qui ont permis de constater que le soleil avait des périodes d'activité ou très forte, ou pas assez forte, ou pas forte, on ne porte pas de jugement là-dessus, et notamment par les taches solaires. C'est sous Louis XIV qu'on a découvert, que les astronomes ont découvert les taches solaires, et ces taches solaires, ce sont les taches qui vont nous permettre après de voir l'activité solaire, et notamment éruptive, puisque le soleil n'est qu'une boule de feu, d'hydrogène principalement, et de quelques autres gaz, qui est en éruption permanente. Voilà. Et puis, on va passer très rapidement sur le sujet, mais ceci s'ajoute des phénomènes, des catastrophes, qu'on pourrait appeler des catastrophes naturelles, qui sont des éruptions volcaniques importantes. Oui.
l'autre côté de la planète, mais qui vont masquer le soleil pendant plusieurs décennies. Oui. Ça, c'est des accidents. Ce sont des accidents, des accidents de parcours, si j'ose dire, mais qui ont coûté cher, à la planète à plusieurs reprises. Mmh. On a plusieurs exemples. On a notamment l'exemple d'un volcan en 1815, au printemps 1815, le Tambora, qui est un volcan d'Indonésie, qui va exploser littéralement. En faisant 30 ou 40 000 morts à l'époque, donc c'était pas la même population qu'aujourd'hui, il y en avait moins à l'époque, dans l'Indonésie et toutes les îles de ce coin-là. Et en fait, l'effet de ce volcan, tout ce qu'il a rejeté dans l'atmosphère, a créé un effacement de saison sur l'année qui a suivi. Et en 1816, toute l'Europe grelotte en plein mois d'août. Et il n'y a pas eu d'été. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Ça s'est su après, ça s'est compris après. Parce que parce que tout était nuageux, le soleil était masqué, et donc il ne donnait pas le réchauffement attendu. Parce que sans réchauffement solaire, si on n'a plus de soleil pour nous chauffer, eh bien, avis aux amateurs, hein, s'ils veulent rentrer dans les grottes et essayer de se chauffer. Alors donc, donc ce petit âge glaciaire prend fin au milieu du 19e. Milieu du 19e. Et donc là, on insiste depuis maintenant à peu près 200 ans. Oui. Donc un réchauffement. Oui. Qu'on peut qualifier d'optimum, mais on ne sait pas encore s'il est petit ou pas d'ailleurs. Voilà, je propose une appellation au petit optimum contemporain, voilà, c'est ça qui est provisoire. Qui est provisoire, parce que peut-être que s'il dure 5000 ans, on dira que c'est le grand optimum contemporain. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de chaos. On voit bien, est-ce qu'il y a des grandes tempêtes, voire des raz-de-marée qui apparaissent dans cette période? Oui, dans cette période-là, il y a des phénomènes. Alors, rien n'est linéaire, on l'a déjà dit, mais donc il y a des phénomènes étonnants. Il y a eu notamment deux raz-de-marée qu'on a oubliés au 19e siècle. Il y a eu un raz-de-marée au Sable d'Olonne qui a envahi tout le Remblai, ce qu'on appelle le Remblai au Sable d'Olonne, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et puis, de la même façon, à Saint-Malo, la digue, c'est Rochebonne, je crois, a été totalement submergé par un raz-de-marée également. Donc ça c'est des effets des effets naturels, mais qui sont provoqués par des changements aussi probablement de courants marins en lien avec l'atmosphère et l'évolution de l'atmosphère. Et on a vu pendant la guerre de 14-18 également des hivers extrêmement rudes, notamment 16-17, qui sont où là déjà c'était pas drôle d'être dans les tranchées. Et au combat, dans cette boucherie. Et là, véritablement, les poilus, comme on les appelait, ont souffert énormément. Ah, c'est pour ça, alors, je parlais dans mon introduction des titres de la presse aujourd'hui. Par exemple, on oublie de dire qu'en, je crois que c'est en 1921, le 14 juillet, le défilé du 14 juillet est annulé. Parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud, oui. Parce que finalement, c'est quoi aujourd'hui notre problème par rapport au climat? C'est que, ce que je disais, on ne se réfère plus du tout au passé. On est dans quoi? On est dans l'émotion instantanée. Oui, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire, je pense que l'homme moderne est un homme qui a tendance à couper ses racines et à ne plus regarder que l'instant en même temps. En même temps est intéressant, mais je l'ai pas fait exprès. Et donc finalement, les gens n'ont plus que cette culture de l'instant. Et ils sont marqués par ça, puisque notre environnement fait que, environnement humain, fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce qui est important, c'est le sensationnalisme, c'est l'instant, et puis trois jours après ou une semaine après, tout le monde aura tout oublié, et puis on va refaire les choses. C'est intéressant ce que vous dites là-dessus, parce que à travers cette notion d'instant et de manipulation, en quelque sorte, de l'opinion sur l'instant, on voit bien que on perd toute perspective historique
et on a du mal à juger aussi du futur. Mais ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à analyser. On n'anticipe plus. On ne peut pas anticiper. Puis en plus, entre guillemets, la grande dissipation, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations. C'est vrai que l'information autrefois circulait de façon différente. Et ça, j'ai pas de jugement de valeur. C'est un fait et c'est bien en soi. Après, l'usage qui en est fait pour des questions assez mercantiles, lui, peut travestir véritablement les choses et entraîner des manipulations. Oui, donc c'est le sujet donc, de votre livre, Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale, donc avec une grosse partie consacrée à l'histoire que nous venons d'évoquer, paru aux éditions Pardès. Et je voulais signaler également un autre petit ouvrage de Olivier Postel-Vinet, Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée et ça paraît chez Lattès. Alban Darguin, merci infiniment. Merci donc, à vous. Je rappelle votre livre paru chez Pardès et également Éolienne, un scandale d'État aux éditions Synthèse Nationale. Vous allez retrouver maintenant Christopher Lannes et la petite histoire. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Merci à vous. En 1968-69, en pleine transition politique et culturelle, mai 68, tout ça, la France doit faire face à une nouvelle menace, 10 ans après la grippe asiatique et 50 ans après la terrible grippe espagnole. Venu de Hong Kong, ce nouveau virus va faire 1 million de morts dans le monde, dont plus de 30 000 en France. Baptisée la grippe de Hong Kong, la maladie se propage rapidement du fait des transports aériens, fait inédit, ce qui en fait le premier grand fléau de l'ère moderne. Et pourtant, en France, malgré les victimes nombreuses, malgré les perturbations dans les transports, malgré les écoles fermées, malgré les gens qui se font vacciner à même le trottoir, cette épidémie passe quasiment inaperçue. Aujourd'hui encore, même les plus grands boomers ne s'en souviennent que vaguement. Alors comment expliquer ce silence, cette amnésie aussi, et surtout le contraste frappant avec la situation actuelle qui voit le coronavirus au centre de toutes les préoccupations médiatico-politiques. Allez, on y va. Dans le dernier épisode de La Petite Histoire, qui a très bien fonctionné, d'ailleurs ça doit être grâce à vos encouragements, à vos likes que je vous invite à renouveler, eh bien on a parlé de la grippe espagnole de 1918, et vous vous souvenez à quel point c'était terrible, elle a été terrible et meurtrière, plus de 50 millions de morts. Ça c'était la première grande pandémie, ensuite en 1957, nouvelle épidémie, moins grave celle-ci que la grippe espagnole, mais elle fait quand même 2 millions de morts, dont plus de 10 000 en France, on l'appelle la grippe asiatique, et déjà à cette époque, l'ORTF, comme les journaux de l'époque, en parle à peine et minimise la situation. Et enfin, en 1968-69 et jusqu'à janvier 70 même, troisième et dernière grande épidémie du 20e siècle, la grippe de Hong Kong. Je parle d'épidémie de grippe, hein. C'est elle qui va nous intéresser dans cet épisode, parce que malgré les 31 000 morts et même plus qu'elle a fait en France, malgré, comme je l'ai dit, la fermeture de certaines écoles, les queues devant les pharmacies, enfin une rupture de la normalité totale, les hôpitaux débordés, les vaccinations à même le trottoir, comme je l'ai rappelé, eh bien, peu de gens en ont un souvenir. Au mieux, un vague souvenir. Alors, c'est quand même étrange, parce que si on regarde, si on compare à la situation actuelle avec le coronavirus et tout le foin médiatique qu'on en fait au quotidien, je dis pas que c'est injustifié, hein, d'autant qu'on n'a pas encore le recul nécessaire sur le Covid-19, mais il y a quand même une grosse et flagrante différence de traitement. Parce qu'à l'époque, comme avec la grippe asiatique, les médias, c'est-à-dire les journaux, puis la télé et la radio publique, personne ou presque n'en parle. Alors que nous, avec le Covid-19, le décompte des morts tous les jours, le confinement, tout ça, eh bien, il aura beau faire moins de 30 000 morts, peut-être, hein, eh bien, on va s'en souvenir. Alors pourquoi, et c'est là toute la question, pourquoi les boomers ne s'en souviennent presque pas, et donc pourquoi les médias de l'époque l'ont passé sous silence malgré l'évidente gravité de la situation. Avant de répondre à cette question, tout d'abord, je vais vous faire une brève chronologie des faits. Cette épidémie, on l'appelle grippe de Hong Kong, mais à l'origine, elle vient du centre de la Chine, comme aujourd'hui et comme souvent d'ailleurs. C'est là que les premiers cas sont apparus avant qu'elle éclate dans la ville portuaire surpeuplée de Hong Kong, qui était une colonie britannique. On dénombre rapidement 500 000 cas à Hong Kong, donc c'est quand même assez virulent, puis la maladie s'étend au Japon, en Asie du Sud-Est,
en Australie, puis aux États-Unis. C'est les États-Unis qui sont touchés avec les Marines de retour du Vietnam en juillet 1968. Elle fera plus de 50 000 morts en 3 mois, d'ailleurs, aux États-Unis, mais c'est à l'automne 1969 qu'elle arrive en Europe et donc en France. Mais pour l'instant, le virus ne fait que peu de ravages et l'épidémie semble même rapidement terminée. En octobre 1979, lorsque l'OMS est réunie à Atlanta pour une conférence internationale sur la grippe de Hong Kong, les scientifiques estiment que la pandémie est bel et bien finie. Puis, c'est la douche froide. À partir de décembre 1969, la grippe de Hong Kong fait son grand retour et frappe la France violemment cette fois. Ça va durer jusqu'en janvier et selon un décompte récent entrepris par le statisticien Antoine Flao et l'épidémiologiste Alain-Jacques Valeyron, la grippe de Hong Kong a fait en 2 mois en France 31 226 morts, dont plus de 25 000 pour le seul mois de décembre. Donc plus de 31 000 morts, autant vous dire du moins pour le mois de décembre que c'était quand même une énorme surmortalité. Et pourtant à l'époque, ça va passer totalement inaperçu. Pas de gros titres, pas de décompte macabre tous les jours, pas de déchaînement médiatique. Pourquoi ? Ça m'amène donc au sujet principal de cette vidéo, le silence médiatique de l'époque et l'amnésie totale des gens qui ont vécu ça en 69, ce qui va évidemment de pair. Je vous l'ai dit, en décembre 69, en France, il y a eu un énorme pic, 21 068 morts liés à la grippe de Hong Kong. C'est quand même énorme, surtout comparé à la mortalité actuelle en France et même d'ailleurs en Italie. Bon, je le répète, on n'a pas encore le recul nécessaire pour le Covid-19, mais tout de même, France et Italie cumulés, même si on faisait ça, eh ben on est loin des 25 000 morts en un mois de l'époque. Et pourtant, c'est ça qui est très intéressant. À l'époque, les médias n'en parlent quasiment pas, alors que nous, on en a pour notre compte dans les médias. Bon, je dis les médias pour l'époque, mais c'était sans commune mesure avec aujourd'hui où on a Internet. Et puis surtout, surtout, les chaînes d'infos en continu, car c'est elles qui entretiennent, à tort ou à raison, souvent à tort la plupart du temps, mais là, on ne sait pas encore, la psychose actuelle avec un décompte des morts chaque jour et même chaque heure. En 69, c'est simple, il n'y avait qu'une chaîne de télé, la radio, enfin c'était le RTF, la télé publique, la radio et les journaux nationaux. Et bien malgré tout, en décembre 69, donc pic de l'épidémie, Le Monde écrit le 18 décembre, je cite, que l'épidémie paraît régresser. Le Figaro, pareil, 18 décembre, alors qu'on est en plein dedans, il écrit que l'épidémie, je cite, « reste stationnaire ». Et alors que France Soir, durant la même période, avance le chiffre de 12 millions de malades, bah le même quotidien, France Soir, estime en décembre, toujours, hein, que cette histoire de grippe n'est qu'un marronnier d'hiver. Là, je cite France Soir, un marronnier d'hiver. Un chroniqueur du Monde nous dit même, je cite, « l'épidémie de grippe n'est ni grave ni nouvelle ». Est-il bien utile d'ajouter à ces mots les risques d'une psychose collective? Et pendant ce temps, au-delà des morts qui sont nombreux, les hôpitaux sont submergés. En réanimation, on entasse les morts dans une pièce spéciale à défaut de pouvoir tous les évacuer efficacement. Beaucoup de gens sont malades et donc l'économie est impactée. Des trains sont annulés faute de cheminots. Des boutiques sont fermées faute de commerçants. Des écoles, faute d'enseignants, les gens font la queue devant les pharmacies et se font vacciner à même le trottoir par des étudiants en médecine, faute de médecins. Bref, c'est visible, palpable même au quotidien. D'autant que, petit mot sur le vaccin en question, je vous ai dit qu'il y avait des queues pour se faire vacciner, il a été développé par l'Institut Pasteur à la hâte à l'époque et il s'est avéré très peu efficace, médiocre même, 30% d'efficacité. C'est très mauvais, car la nouvelle souche du virus n'y avait même pas été intégrée. Tout au mieux, les journaux y consacrent quelques tout petits articles secondaires, et encore, c'était limite des articles People qui faisaient la liste des personnalités en France comme au Royaume-Uni, qui étaient alités. C'était vraiment pas glorieux. Voilà pourquoi les personnes qui ont vécu cet événement à l'époque ne s'en souviennent pas, ou très peu. Tout simplement car il n'a pas été traité sérieusement par les médias, comme par les politiques. Mais alors comment expliquer ce silence, cette légèreté, alors que 30 000 personnes vont mourir? Ils vont mourir d'hémorragie pulmonaire, le visage gris, les lèvres bleues, des personnes âgées, mais aussi des jeunes gens de 20, 30, 40 ans, le tout en un temps très court. La réponse est simple, à l'époque, cette information anxiogène n'intéresse personne et l'agenda politico-médiatique est très chargé.
L'homme vient de poser le pied sur la Lune. Oui, on a bien été sur la Lune, hein, désolé pour les complotistes. Puis écoutez, si ça vous choque, vous avez qu'à vous organiser un petit apéro confiné avec les platistes et les antivax, tout le monde sera très content. Donc, l'homme vient de conquérir la Lune, on est en 69, la guerre du Vietnam s'enlise, Georges Pompidou s'installe à l'Élysée, et on est juste après mai 68, dans une période de transformation politique, culturelle, sociétale. Bref, à ce moment-là, la grippe est loin. Très loin dans la liste des sujets qui intéressent les Français, qui en plus étaient à ce moment-là une population plutôt optimiste en cette période de 30 glorieuses. C'est d'ailleurs ce que dit Schneiderman dans un article de Libé. Je suis tombé dessus en faisant mes recherches, hein, s'il vous plaît. Donc Schneiderman nous dit dans Libé, je m'en excuse très sincèrement, il nous dit que les épidémies ne sont pas des histoires glorieuses et que les journaux n'ont aucun intérêt ni intellectuel ni financier à faire flipper les lecteurs. Alors quand j'ai lu ça, j'ai sauté au plafond, hein, parce que la peur, c'est quand même le fonds de commerce principal des médias. Mais là où il a raison, en revanche, c'est que là, on parle de l'époque des médias des années 60-70, l'époque des 30 Glorieuses. Donc, en effet, à ce moment-là, ce qui faisait vendre était totalement différent de notre époque de déclin où la peur fait vendre et où les chaînes d'infos en continu entretiennent une psychose 24 heures sur 24 pour prospérer. Pour toutes ces raisons, la grippe de Hong Kong n'était à l'époque qu'un fait divers. Secondaire, people même parfois, et même les années suivantes, les médias et les politiques n'ont eu aucun intérêt à y revenir, car concrètement, ça a été un fiasco collectif. Les médias ont traité la question avec légèreté, tout comme les politiques, les autorités sanitaires ont sous-estimé la menace et le vaccin était tout pourri. Voilà, donc on n'a aucun intérêt d'un côté comme de l'autre à mettre, on a tout intérêt à mettre ce grand raté sous le tapis. Il y a beaucoup de similitudes avec la situation actuelle, pourtant, sur la nature du virus, etc., la manière dont il se transmet grâce aux lignes aériennes, à la mondialisation, mais dans certains domaines, on vit l'extrême inverse. Aujourd'hui, par exemple, la psychose est partout dans les médias. Les décomptes macabres sont diffusés toute la journée. Les politiques surréagissent alors qu'ils n'ont même pas de moyens. Bref, on vit l'inverse sur ce plan. Mais par contre, aujourd'hui, comme en 69, le virus vient percuter de plein fouet un système médical et hospitalier à la ramasse. Et évidemment, dans cette situation, la responsabilité politique est énorme à l'époque comme aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si nos aînés ne s'en souviennent que très peu de cette grippe de Hong Kong, malgré son évidente gravité, même en France, eh bien nous, ce Covid-19, qu'il soit plus ou moins grave que la grippe de Hong Kong, d'ailleurs c'est ça le paradoxe, eh bien on va s'en souvenir, croyez-moi.